Continuez bien votre respiration profonde dans le ventre. Et puis on va monter progressivement un peu au-dessus, au niveau d'écoute, au niveau de la cage thoracique. Mais on fait le passage progressivement, lentement, doucement. Ça ne va pas être d'un seul coup le ventre puis au-dessus. Non, ça va être un petit peu le ventre et puis un petit peu au-dessus. Hein. On va essayer d'harmoniser ces deux parties-là, le bas du ventre et puis un petit peu au-dessus. En dessous du nombril et au-dessus du nombril. Donc, c'est pareil. Ici, votre respiration doit être douce. Et tu inspires tranquillement. Tu ressens l'air ici venir dans le bas du ventre et un peu au-dessus. Et tu laisses l'expiration se faire tranquillement en refermant un petit peu la cage thoracique, mais vraiment c'est sans forcer, hein, c'est fluide. Encore un peu. Vous pouvez bien sûr placer les mains comme je le fais, hein, sur les côtes, l'estomac et en dessous du nombril, pour bien sentir ce qui se passe. Expirez largement, sans forcer, bien sûr. Hein. L'inspire se fait sans forcer, l'expire se fait sans forcer. Vous allez maintenant monter un petit peu plus haut, donc sous la gorge, dans la poitrine, sous les épaules. Et vous gardez peut-être une main sur l'estomac et puis une main un peu plus haut sur le cœur. Et là, vous laissez monter votre souffle tout en haut, sans forcer, toujours doucement, avec fluidité. Vous allez ressentir tour à tour le ventre, l'estomac, les côtes, la poitrine, le sternum sous les épaules. Et vous ressentez que votre souffle ici s'allonge, il devient plus grand. Et à l'expiration, vous laissez bien sûr redescendre ce souffle de la poitrine, les côtes, le ventre. Et tranquillement, tu inspires, tu laisses remonter ce souffle. Et tu expires, tu laisses redescendre le souffle tranquillement. Tu prends le temps. Inspire, laisse monter ton souffle. Et tu expires, tu laisses redescendre ton souffle. On y va tout doucement. Et là, vous pouvez vous aider avec vos mains pour prendre conscience de ce souffle qui monte. Et de ce souffle qui redescend tout doucement. Sans forcer et sans contrainte. Alors bien sûr, c'est chacun, chacune, son rythme. Je laisse monter l'inspire. Et je laisse descendre l'expiration. Tranquille. Et on va faire ça encore deux fois. Laisse monter ton inspiration. Et laisse descendre doucement ton expiration. Et puis on va relâcher les bras, les mains, les épaules et accueillir ce qui est. On continue de rester dans notre souffle profond ici et on va pratiquer quelques mouvements avec la tête pour libérer la colonne cervicale sans forcer du tout, du tout, du tout et en laissant faire juste la tête. Alors ce mouvement, il n'est pas simplement incliné.
Il fait une légère rotation sur le côté. J'inspire quand je suis au centre. J'expire, je descends et je tourne légèrement le menton vers l'extérieur. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, j'incline sur la gauche ou sur la droite. Et je tourne légèrement le menton vers la droite si je suis à gauche, vers la gauche si je suis à droite. Et je reviens tranquillement au centre en inspirant largement. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Descends tranquillement, incline, tourne légèrement. On libère bien dans la nuque. Puis tu reviens, inspire. Incline de l'autre côté. Puis une légère rotation. Et tu reviens, inspire. Et là, on va rester ici au centre. Là, vous serrez dans le ventre. Contractez le périnée. Inspirez, redressez votre buste. Et expirez, arrondissez légèrement votre dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Seulement après la tête qui regarde vers le sol. Et puis en inspirant à nouveau, on remonte. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Et encore. Expire. Laisse s'arrondir la colonne. Depuis le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Et à l'inspire, tu remontes le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. On va rester ici en haut quelques instants et on va juste mobiliser nos épaules. Juste les épaules pour ressentir. Alors, je vais vous demander ici, à vous, de laisser faire votre mouvement naturel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce que ce sont les deux épaules en même temps? Est-ce que ce sont une épaule après l'autre? Est-ce que c'est en avant? Est-ce que c'est en arrière? Regardez-vous dans votre corps, comment c'est le mieux. Là, aujourd'hui, pour moi, par exemple, pour le moment, c'est une épaule après l'autre. Comme si les épaules faisaient une rotation. Comme si l'axe de l'humérus faisait une rotation dans l'articulation scapulaire. La tête de l'humérus qui tourne. Donc, on engage bien évidemment les épaules. On engage bien sûr le haut du dos, les omoplates, les clavicules et bien sûr toute la cage thoracique, puisque en montant les épaules, on élève la cage thoracique. Bon, allez-y doucement, tranquillement. Voilà. Et là, on va revenir au centre. Naturellement. Et là, vous observez comment c'est pour vous naturel. Vous allez monter vos bras vers le ciel et étirer vers le haut les mains. Ressentez ici l'ouverture de la cage thoracique. Expirez, inclinez sur un côté en gardant bien les ischions collés au support. Inspirez, revenez. Et expirez, inclinez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et expirez, relâchez les deux bras. Et ressentez ici votre souffle, votre mouvement. Alors maintenant, ici, c'est notre buste. Tout le buste tout entier. Le bas du dos. Le milieu du dos,
le haut du dos, la tête, qui va faire des mouvements de rotation au-dessus du bassin. Laissez vos épaules relâcher. Laissez vos bras détendus. Juste, vous avez posé vos mains sur les cuisses, probablement, et vous laissez votre corps faire le mouvement sans le forcer. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre corps, votre cœur, votre corps. Fermez vos yeux un instant et continuez de faire ce mouvement de rotation au-dessus de votre bassin, tout doucement. Pour la respiration, vous pouvez imaginer que vous soufflez, sur l'avant, et vous inspirez en revenant sur l'arrière. Relâchez bien vos épaules. Et puis doucement, on va changer ici de sens de rotation. Tu vas souffler sur l'avant. Inspirez quand tu passes sur l'arrière. Laisse faire le corps. Ne réfléchis pas. Ferme tes yeux. Observe ce mouvement de rotation. Observe ici ta respiration. Juste, tu ressens. Laisse ton corps être sans réfléchir. Encore un passage ici, et puis on va revenir tranquillement au centre. Au centre, on va essayer de se réaligner et d'observer si notre tête est bien au-dessus de notre buste, si notre colonne vertébrale est bien alignée. Ça a l'air d'aller. Et puis maintenant, on va venir se mettre debout tranquillement. On va se redresser, on va se mettre debout tranquillement. Alors, on va déplier nos jambes, défléchir nos jambes. On va caresser nos genoux, nos chevilles. Et puis, on va se mettre debout. Donc, je me bascule sur l'avant, je tends mes jambes, je déroule mon dos et je vais venir me placer debout. Donc je vais réajuster mon tapis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ici, là. Sinon, vous allez me dire, oh, mais on ne te voit pas complètement. Voilà, donc normalement, vous voyez tout bien ici. Je vous parlais des postures de Hatha, des postures très puissantes pour déverrouiller le dos, pour tonifier aussi le dos. Hein. Et pas juste dans les étirements, on étire, mais aussi on tonifie. Alors ici, vous allez placer vos deux pieds larges, assez larges. Beaucoup plus large que la largeur du bassin, du coup. Et on va juste bouger un tout petit peu, donc sans forcer, attention les hanches, sans forcer, on bouge un tout petit peu sur la droite et sur la gauche. Pensez à relâcher vos deux épaules, tranquille. Pensez à relâcher les épaules et observez simplement comme ça ce qui se passe dans le bassin. N'oubliez pas de placer un sourire sur votre visage. Détends, on se détend, hein, relâchez les épaules, les bras. On relâche. Tout simplement. Voilà. Et là, on laisse faire. Vous voyez, le mouvement, il est vraiment tout petit. Hein. Il est infime. Tout petit. Pourquoi? Ben parce que le bas du dos n'est pas encore échauffé. On est resté assis pendant 10 minutes, là. Et donc, on y va tranquillement, tout doucement. Observez dès maintenant vos ressentis, ce qui se passe dans le bas du dos, ce qui se passe dans le bassin, au niveau des crêtes iliaques, l'os du bassin
qui est un os tout plat avec des épines et des arêtes. Et on sent ce qui se passe parce que tout autour de lui, il y a plein de petits tendons, plein de petits ligaments, plein de petits muscles qui passent. Et ce bassin, il rattache le haut du corps avec le bas du corps, hein, donc on y va doucement. Donc là, le mouvement est tout petit, vraiment tout petit, j'insiste. Et puis, on va faire des toutes petites rotations. Mais vraiment tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Petite rotation. Sur un côté, sur l'autre côté. Et tu laisses faire ces toutes petites rotations. Pour le moment, les pieds sont parallèles, hein, ils ne bougent pas. Et vous placez votre souffle tranquille. Alors, on va maintenant placer nos mains sur le bassin, sur les hanches. Et là, on va accentuer le mouvement. On va pouvoir y aller. Donc, c'est comme si ma hanche gauche passait sur la droite. D'accord? Je maintiens le dos dans la ligne haut. Je vais tourner mon pied droit, qu'il soit dans la ligne haut. Voilà. Et là, je descends légèrement. Donc, j'essaye de sentir une diagonale avec ma jambe gauche et je tourne le pied gauche. Je pousse dans le talon du pied gauche. Ici. Je sens que mon buste est dans l'alignement de ma jambe gauche. Les deux pieds sont dans la même direction, pas sur le même alignement, hein. Et on va monter le bras droit pour essayer de faire une jolie diagonale. Ici. Inspirez largement. Gardez vos deux jambes tendues parce qu'on va étirer ischion, mollet. Ischion à droite, mollet à gauche. Et on va monter le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche. Et là, on fait une belle, jolie diagonale. Regardez comment vous êtes bien. Étirez-vous, montez. Et imaginez que vous emmenez les mains vers l'angle de votre plafond. Et en expirant, vous allez ouvrir les bras par les côtés en tournant les mains vers le sol. Et relâchez vos épaules. Permettez à vos épaules de se relâcher. Poussez bien dans le talon à gauche. Vous commencez à avoir le mollet gauche qui s'étire largement. Et puis, on va essayer d'approcher nos deux mains ici. Alors, fléchissez vos bras et tendez vos bras. Entrecroisez les doigts de vos mains. Et là, on va descendre sur l'avant, le buste quasi parallèle au sol. Vous pouvez fléchir la jambe d'appui devant, à condition de garder le genou en face des orteils, dans l'alignement. Et là, on va descendre le dos. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Parallèle au sol. Pour le moment, vous maintenez vos bras dans le dos. Voilà. Regardez le sol. Respirez tranquillement. 5. Expire. 4. Expire. Expire largement. 2. Et 1. Relâchez doucement les bras, puis placez la main droite sur le genou droit. Pressez avec la main droite pour redresser le buste et tourner votre buste. Ouvrez ici le pied gauche. Prenez bien appui sur la tranche externe de votre pied gauche. Donc ça, c'est un mouvement que vous commencez à connaître maintenant. Placez bien le pied droit de face, le genou droit au-dessus des orteils, la main droite sur le genou droit. Et ici, on va essayer de garder l'alignement du pied, de la cuisse, de la hanche, du buste. Et vous allez passer votre bras comme ça, sur l'intérieur, pour éviter de vous fracasser les épaules, l'épaule gauche notamment. Et là, on va étirer le bras, ici, dans l'alignement du buste et de la jambe. Donc, essayez de descendre la hanche gauche, d'étirer dans le buste à gauche, dans l'épaule gauche, et parallèlement, de ce côté-là, on descend l'épaule droite. Ici, on descend l'épaule droite en poussant sur la main droite. D'accord? Et on essaye de garder l'alignement, le grand alignement. Inspirez largement.
Et puis, on va laisser descendre le coude droit sur le genou droit. Et là, on laisse aller le bras gauche au-dessus de l'oreille. Pressez dans le tranche externe de votre pied gauche et étirez-le jusqu'au bout. Inspirez largement et étirez. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. En inspirant, vous ramenez votre bras par l'extérieur en tournant votre main vers l'extérieur. Et vous emmenez votre épaule en dedans. Là, vous placez votre avant-bras gauche dans le dos pour aller essayer d'aller mettre votre main gauche sur la cuisse droite. Alors, si vous avez mal dans votre épaule, inutile d'insister. D'accord? Si vous n'avez pas mal, essayez d'aller visiter votre cuisse droite avec votre main gauche et de tourner votre buste vers le ciel. Ici, on va essayer doucement de tendre la jambe droite et de descendre la main droite vers la cheville droite. Lâchez votre tête et regardez votre pied droit. Libérez à présent votre main gauche et votre bras gauche. Passez votre bras gauche vers le sol, épaule gauche dans l'intérieur. Venez placer votre main gauche à côté de la main droite sur le pied droit. Serrez dans le ventre, puis inspirez, montez par devant vous ce bras gauche et emmenez-le au-dessus de votre oreille et étirez. Inspirez. Expirez largement dans la posture et ramenez la main gauche près du pied droit et tournez le buste vers le sol. Inspirez, remontez, grandissez et tournez un peu plus vers le ciel. Expirez à nouveau, descendez la main gauche vers le pied droit. Une dernière fois, inspire, monte le bras, tourne le buste vers le ciel et étire. Tu inspires ici. Et enfin, j'expire, je relâche. Je fléchis à nouveau ma jambe droite. Je viens placer ma main gauche et ma main droite sur le genou droit. Ici, tu vas bien prendre appui avec tes deux mains sur le genou droit pour repousser le buste et t'aider à remonter ici. Alors, le genou droit, il est bien ouvert. Et là, on va monter le bras droit et on va grandir et on va étirer comme si on voulait aller attraper le plafond. Donc on inspire, on étire, on grandit ici. Souriez, n'oubliez pas votre sourire ici. Pousse bien dans le talon du pied gauche, rétroverse bien ta hanche à gauche ici. Puis doucement, tu vas revenir dans ta jambe droite et descends le bras droit. On va fermer le pied droit cette fois-ci et revenir dans l'axe initial. On va sauter et on va rapprocher nos deux pieds ensemble. Et ici. Et on va libérer nos deux jambes. Respirez tranquillement. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous désirez boire un petit peu d'eau maintenant. Et ressentez votre corps. Ressentez bien la différence ici entre le côté droit et le côté gauche. Ressentez la différence. Comment c'est tout le côté droit et comment c'est tout le côté gauche. Observez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre à nouveau mes deux jambes. Je viens pousser dans les talons. J'inspire. Donc on ne va pas descendre de la même façon. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent. On va sentir ici les tranches externes de nos deux pieds. Donc basculez vos deux pieds ici en inversion. Placez le poids du corps sur les tranches externes de vos pieds et vous soulevez les tranches internes de vos pieds. Reposez maintenant le pied gauche au sol et le pied droit au sol à plat, les deux pieds à plat. Maintenant, basculez, si c'est possible, sur les tranches internes de vos pieds en soulevant les orteils. Vous soulevez les tranches externes et vous soulevez les orteils. Ce n'est pas très agréable. Puis reposez délicatement vos pieds à plat dans le sol. Comme tout à l'heure, bougez légèrement le bassin à droite et à gauche, comme ça. Un tout petit peu. Certainement un petit peu plus que tout à l'heure, puisqu'on est réchauffé ici, mais tranquillement. Puis on va vraiment tout doucement laisser aller le buste
vers la gauche. Restez ici. Conscience de ce qui se passe, conscience de la hanche, tout ça. Et on remonte, tranquille. On va basculer le bassin de l'autre côté. On laisse descendre sur le côté droit. Là, des fois, il y a des petits pincements qui se créent, des petites tensions, des petites douleurs. Observez-les. Prenez-en vraiment conscience et laissez-les. Voilà. Et on revient. Tranquillement, on revient. Tu reviens tranquillement. Ok. Ressens ici ce qui se passe. On va venir ici tourner le pied gauche. Et on va pousser dans le talon du pied droit. Et dans la tranche externe du pied droit. Donc ressentez comment c'est et laissez descendre ici votre buste vers la gauche. Tranquillement, ne forcez pas. Prenez vraiment conscience ici de ce qui se passe dans votre buste, dans la taille, dans les côtes, dans le dos. C'est vraiment subtil que l'on crée un mouvement. Donc, pousse bien dans le talon, dans la tranche externe de ton pied droit est ouvert, hein, je le rappelle, est ouvert, il n'est pas tout vert, il est ouvert. Il est un peu vert, mais il est tout. Donc, je descends tranquillement. Je pousse bien dans la tranche externe. Et là, je vais passer mon bras dans l'intérieur. Tu te souviens? Dans l'intérieur. Et je vais monter le bras droit dans l'intérieur. Je place ma main gauche pour le moment dans le pli de laine à gauche. Et je vais tourner légèrement mon buste. Là, j'essaye de faire une jolie, jolie, jolie diagonale. Tout le bras droit. Tout le buste à droite. La cuisse droite. Le pied droit. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée, j'étire toute cette partie. Je ressens, j'inspire, j'étire. Grande inspiration, soulève bien tes côtes. Ressens que tu creuses, que tu affines dans la taille. Tu vas expirer et là on va tourner doucement, doucement, doucement face au sol. Et je vais tourner mon pied droit. Donc, je peux fléchir ma jambe gauche. Hein. C'est d'ailleurs conseillé. Je vais pousser ici dans le talon de mon pied droit et je vais grandir. Donc je pose, je pose, je pose dans le talon à droite. Et là, j'essaie de grandir. Je grandis et j'étire. Et je vais tourner à nouveau le buste. J'inspire, grandis. Observe ce qui se passe. Expire, reviens de face. Tu vas ici lâcher le bras et tu gardes bien ton buste. Face. Tes deux pieds sont dans la même direction, pas sur le même axe, attention. Il y a au moins la largeur du bassin hein, sur les deux pieds. Et là, on va placer nos bras sur l'arrière. On va entrecroiser les doigts de nos mains. On va tendre nos bras, ouvrir la poitrine, le sternum. Rester le genou gauche dans l'alignement des orteils du pied gauche. Et là, on va pousser dans le talon à droite. Donc, ça va fortement étirer hein, dans le pied droit. C'est sûr, réajuster votre posture si c'est nécessaire. Vous pouvez tendre votre jambe gauche ou bien fléchir votre jambe gauche à votre guise, à votre convenance. Et là, on va essayer de descendre sur la. On descend, 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 descend. Et on ressent tout ce qui se passe, tout ce qui se met en place. La jambe gauche, vous pouvez la fléchir et on descend le buste. Serrez bien dans le ventre, contractez dans le périnée. Si vous sentez qu'il y a un petit malaise, n'hésitez pas à remonter, à réajuster votre posture, à regarder comment c'est. Ce qui se passe ici est très intéressant dans les ressentis. Et là, j'essaye de garder donc le buste parallèle au sol et je vais venir placer mes mains sur le genou. Peut-être au sol, peut-être sur les briques, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas amenées tout à l'heure, peut-être sur les briques, comme ceci. Peut-être je peux tendre ma jambe, peut-être j'ai besoin de fléchir ma jambe. Regardez comment c'est pour vous le mieux. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, nous étions comme ceci et nous sommes restés longtemps. Donc, peut-être que l'on peut recommencer.
Grande inspiration, longue expiration. Vous choisissez pour vous ce qui est le mieux. Serrez dans le ventre, contractez le périnée. Expirez largement, la tête est bien face au sol. Ressentez ce qui se passe ici dans le bassin. N'hésitez pas à emmener votre hanche droite sur l'avant, à reculer la hanche gauche, ou bien à ouvrir la hanche droite. Permettez-vous, autorisez votre corps à faire des expériences ici, de placement, pour vraiment rester dans la meilleure attitude qui soit pour vous. Respirez tranquillement. Expirez doucement. Et puis, on va doucement prendre le temps de remonter. Donc, si nous avions les mains dans le dos, on va replacer les mains sur le genou. Et puis, on va pousser sur nos mains pour redresser notre dos. Là, vous pouvez tendre votre jambe gauche. Et pareil que tout à l'heure, on va essayer ici de monter le bras droit, le bras gauche, et de rester vraiment dans l'alignement. Donc, avance bien ta hanche droite, serre dans le ventre, contracte bien dans le périnée. Expire, ramène ici les deux mains sur le genou. Tu viens porter ta main gauche sur ton genou gauche. Et là, on va venir ouvrir le pied droit. On se place vraiment sur la tranche externe du pied droit. Ici, tu pousses bien le genou gauche vers l'extérieur, de manière à ce que le genou gauche soit en face de tes orteils à gauche. Là, vous allez tourner votre buste vers l'extérieur, vers le plafond. Et à nouveau, on va monter le bras droit. Donc, vous allez placer votre bras droit dans l'intérieur. Montez votre bras droit, ouvrir et faire une belle diagonale. Et en inspirant, on va ouvrir. Inspire et expire. Tu ramènes ton buste de face et tu reviens. Laisse tourner ton pied à l'arrière si c'est mieux pour toi. Inspire, remonte. Donc là, vous voyez qu'on prend davantage d'amplitude puisqu'on a déjà fait de l'autre côté. Le corps a pris contact et on revient. Tu souffles. Une nouvelle fois, inspire, laisse tourner ton pied à chaque fois et tu l'étires. Expire, tu reviens sur l'avant. Donc là, je vais rester ici un instant. Peut-être que je vais prendre ma brique justement pour me stationner. Tourner le pied gauche, on va descendre le bassin et étire, puis remonte. Je vais placer ma main gauche sur la cheville gauche, ouvrir mon pied droit. Et je vais tourner ici, vers le ciel. Inspire, grandis et étire. Je peux fléchir ma jambe gauche aussi. Et là, je vais emmener le bras droit au-dessus de ma tête. Inspire, expire, tu tournes vers le sol, descends le bras. Inspire, tu montes. Tu peux tendre la jambe, tu peux fléchir la jambe. Expire, tu descends vers le sol. Tourne ton pied droit si c'est mieux pour toi. Inspire, ouvre le pied droit. Ouh, ici, grandis et tu étires. En expirant, tu ramènes sur l'intérieur. Tu vas poser ici ta main droite. Tu vas tourner le pied droit. Donc, on ne va pas remonter pareil que tout à l'heure. Tu vas poser ta main gauche, soit au sol, soit sur les briques. Et là, on va venir ramener le pied gauche à côté du pied droit. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. 5. Respire largement. 4. Donc, n'oublie pas de sourire. 3. 2. Et 1. On va remonter doucement les fessiers. Donc, vous restez sur les orteils. Rapprochez un peu vos pieds. Poussez ici sur une pointe de pied et montez les ischions vers le haut. Et montez les ischions vers le haut. Relâchez votre tête. Doucement reposez les talons dans le sol et ramenez doucement le pied gauche sur l'avant. Ouvre le pied droit, fléchis ta jambe gauche, place la main gauche sur le genou gauche, la main droite. Inspire,
et redresse. Tourne le pied droit, ici sur l'arrière, et là tu vas monter. Le bras gauche, étire. Tu vas tourner vers l'arrière à gauche. Monter le bras droit. Inspire et grandis. Allonge et étire. Expire, tu ramènes le bras droit sur l'avant. Tu tournes sur ta droite. Là, tu vas ouvrir tes deux pieds, fléchir les jambes et inspirer. Attrape tes mains. Regarde vers le ciel. Tends tes bras. Inspire. Tends tes jambes. Expire. Relâche. Emmène ici les mains entre les pieds. Ferme tes deux pieds. Relâche la tête. Puis doucement, fléchis les jambes, une main sur le genou, l'autre main sur l'autre genou. J'ouvre un tout petit peu mes pieds, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Et ici, je vais ramener mon épaule, j'inspire l'autre épaule, j'inspire, je reviens. J'arrondis le dos et là, je déroule ma colonne vertébrale. Je reviens, je vais sauter mes deux pieds ensemble et je me pose. J'enlève mon pull. Donc là, prenez bien le temps de ressentir ce qui s'est passé dans votre corps également, dans ce côté gauche. Ramenez vos deux pieds ensemble, ramenez vos genoux, ramenez ici votre corps dans sa jolie verticalité et ressentez votre stabilité maintenant. Une grande respiration profonde, venez placer vos deux mains sur le cœur, descendez bien vos deux épaules. Respirez tranquillement. Inspirez, vous montez vos deux bras loin au-dessus de votre tête. Expirez, fléchissez légèrement vos jambes et descendez sur votre droite. Soufflez. Inspire, tu remontes au centre. Expire, tu inclines de l'autre côté. Inspire, tu reviens. Tends tes jambes et expire, descends tes bras. Donc observez ici vraiment tout ce qui s'est passé. On va monter le genou gauche et attraper avec nos deux mains le genou gauche. Ici, on pousse dans le talon du pied droit, la tranche externe de notre pied droit. Ressentez. On va essayer de monter un peu plus le genou. Ressentez ici la stabilité ou l'instabilité. Et on essaie de remonter davantage encore. Serrez dans le ventre, contractez. Dans le périnée. Laissez faire votre pied. Et ici, on va vraiment emmener le genou vers l'épaule et on va libérer. On va attraper avec la main gauche le pied gauche et on va essayer de rapprocher les deux genoux ensemble. On va monter le bras droit sur l'avant et là, on va essayer de se pencher sur l'avant. Ressentez votre alignement. Restez tranquillement installé. N'hésitez pas à fléchir votre jambe si c'est mieux pour vous, pour monter le genou. Inspirez largement, puis expirez, revenez doucement sur l'avant, ramenez votre genou ici, poussez dans le talon du pied droit, puis doucement venez poser le pied gauche au sol. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. On observe ici notre stabilité. Essayez de placer vos deux pieds ensemble, peut-être les deux genoux proches. Ressentez ici dans les cuisses commencer. Vous pouvez pousser sur les tranches externes de vos pieds. Vous pouvez déplacer vos deux genoux comme ça sur l'extérieur. Observez vraiment tout ce qui se passe dans votre corps. Votre corps peut faire tellement de choses. Donc, ici, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc, je garde mes deux jambes ensemble. Je prends bien appui sur mon pied gauche. Appuie bien sur ton pied gauche. Et tu vas monter ici ton genou droit que tu attrapes avec tes deux mains. On serre ici dans le ventre, on contracte dans le périnée, libéré dans le pied droit. Et ici, on va essayer de monter le genou droit un peu plus et d'ouvrir le genou droit pour ramener le genou droit vers l'épaule droite. Donc, poussez bien dans la tranche externe de votre pied gauche. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Et là, on va laisser glisser la main droite vers la cheville droite.
On essaye de poser nos deux genoux ensemble en rétroversant le bassin ici. Et puis doucement, on va se pencher sur l'avant et on va emmener le bras gauche sur l'avant. Donc ici, on essaie de garder les deux hanches face au sol. On serre dans le ventre, on contracte dans le périnée. On peut aussi fléchir la jambe gauche. Ça, c'est possible. Et on allonge en étire. Donc, ce n'est pas facile parce que je vous regarde en même temps. Pause sur image, arrêt sur image. Ici, donc, je vais me mettre de face, hein, ce sera mieux pour moi. Ici. Et en fait, là, j'étire, je garde bien mes deux hanches, toutes les deux de face. Et j'emmène mon bras dans l'alignement. Inspirez largement. Et ça chute. Puis je reviens doucement, je ramène le genou. J'étire à nouveau et en expirant, je repose tranquillement le pied au sol. Relâchez vos pieds, relâchez les deux genoux. Observez ici une meilleure stabilité sur les deux pieds, hein, c'est clair. Et on va revenir ici sur l'avant. Placez vos deux mains sur le cœur, descendez bien vos deux épaules, inspirez tranquillement, montez. À chaque inspiration, montez bien votre souffle dans tout votre corps et prenez bien conscience de votre grande et belle respiration. Voilà, relâchez vos bras à présent. Donc, on va refaire ici ce que l'on a fait tout à l'heure sur la droite et sur la gauche. Donc, vous allez pour le moment garder vos deux pieds parallèles. On va ouvrir nos deux bras ici. Donc, ressentez votre posture. Ressentez ici le placement de vos tranches externes de pied, ressentez. Emmenez la main droite vers le genou droit et montez le bras gauche. Ressentez l'alignement. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Inspirez. Expirez, descendez sur la gauche et emmenez en tournant la main. Hein, vous tournez la main vers vous. Le bras droit au-dessus de l'oreille. Donc, regardez la différence. Est-ce que le bassin est bouge? Comment c'est dans votre corps? Puis, inspirez, revenez. Expirez, descendez vos bras. Inspirez, montez vos bras. Étirez-vous. Entrecroisez les doigts de vos mains ou gardez les deux mains ensemble. Tournez les paumes de main vers le ciel et étirez. Incline sur la droite. Souffle, regarde le sol. Inspire, remonte. Expire, incline sur la gauche. Étire dans la taille. Souffle. Inspire, remonte. Expire, descends tes bras. Rotation sur ta gauche. Tourne le pied gauche. Là. Tourne le pied droit. Pousse dans le talon. Fléchis ta jambe gauche. Inspire, monte tes bras. Grandis et tu étires. Donc là, on peut s'autoriser à emmener les bras un peu plus loin. Étirez. Donc ressentez dans les aisselles, dans les côtes, dans la hanche, partout. Puis expirez, basculez sur l'avant, comme tout à l'heure. Donc les mains dans le dos, souffle, c'est plus facile maintenant. Hein. Pousse dans le talon, inspire, regarde le sol. Expire, descend les bras et on remonte. Grandis et étire. Et ici, bascule, les bras sur l'arrière, les hanches sur l'avant. Expire, descends les bras par les côtés. Rotation un quart de tour à droite, tu montes les deux bras, je tourne complètement, je tourne le pied droit, je tourne le pied gauche, j'inspire, pose dans le talon à gauche, grandis et étire, et allonge, allonge. Rétroverse légèrement le bassin, enfin tu donnes l'intention ici parce que c'est pas facile. Et en expirant, tu viens te pencher sur l'avant, pose bien dans le talon du pied gauche. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée, jambe droite tendue ou jambe droite fléchie. Ressens ce qui est le mieux pour toi. L'alignement ici. Puis tu inspires, tu remontes, reviens de face, grandis, étire, expire, tu bascules complètement. Relâche la tête. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Doucement ici, je vais remonter. Fléchis les jambes, déroule le dos. Et remonte. Inspire, grandis et étire. Expire, descends tes bras. Rotation à nouveau sur la gauche. Ici, tourne les pieds. Tourne bien tes pieds.
Inspire, monte les deux bras, grandis. Expire, ramène tes deux bras. Donc là, tu vas ouvrir ton bras droit comme si tu tirais à l'arc. Tu ouvres ton bras droit, tu emmènes ton bras droit en arrière, regarde ta main droite. Expire, monte ton bras gauche, grandis et étire. Expire, reviens sur l'avant, genou, coude gauche sur le genou gauche. Et j'emmène le bras droit au-dessus de la tête. Et tire, tu allonges, 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 allonges. Pousse dans le talon de ton pied droit. Grandis. Tu inspires, tu reviens. Le bras droit. Le buste face au sol. Tu remontes, tu reviens. Inspire. Tourne. Face. Reviens. Inspire. Grandis. Expire. Descends. Relâche. Fléchis tes jambes. Déroule le dos. Inspire, remonte, grandis. Expire, descends tes bras. Rotation à droite. Tourne le pied droit. Tourne le pied gauche. Monte tes deux bras. Inspire et grandis. Et tu étires. Expire, tu ramènes tes deux bras. Tu tires à l'arc main gauche maintenant. Et tu emmènes vraiment ton bras sur l'arrière. Tu suis ta main du regard. Inspire, tu montes le bras droit, descends le bras gauche. Donc, ressentez tout ce qui se passe ici, hein, dans le ventre, l'abdomen, mais aussi dans le dos, les étirements, tout ça. Et grandis, tu étires, allonge, et en expirant, on va venir sur l'avant. Souffle, donc on peut fléchir la jambe droite, le coude droit, et on étire, et on allonge, et on grandit. Tu inspires. Tu reviens de face, tu tournes le buste, tu tournes les pieds à l'arrière, remonte tes deux bras, grandis et étire. Expire, reviens sur l'avant. Inspire, monte tes bras. Expire, bascule complètement. Relâche ta tête. Ramène tes deux pieds parallèles. Lâche bien ton dos. Respiration profonde. Puis doucement, je vais monter. Je prends appui avec mes deux mains sur les chevilles. Et puis, je vais fléchir mes jambes, les mains sur les genoux. Je déroule mon dos. J'inspire et je remonte et je grandis. Et étire. Expire, tu relâches. Donc là, on va sauter. On ramène les deux pieds, les deux mains sur le cœur. Et on ressent tout ce qui s'est passé dans le corps. Vous pouvez dès maintenant ressentir davantage d'énergie en vous. Donc maintenant, on va exactement faire la même chose, sauf qu'on va aller un petit peu plus loin. On va essayer d'aller poser les mains au sol. Donc, inspirez largement. Ramenez vos deux mains sur le cœur. Prenez bien conscience de tout ce qui se passe ici dans votre corps, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Voilà, puis vous allez relâcher. On va ouvrir nos pieds, monter nos bras, descendez les épaules. Observez ici votre fluidité, comment vous êtes dans votre corps. Inspirez, montez vos bras et grandissez. Expirez, inclinez sur un côté. Inspire, reviens, incline de l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire, descendez tes bras. Première rotation à gauche. Je tourne le pied gauche, je tourne le pied droit, je pose dans le talon de mon pied droit. Observez ici votre posture. Inspire, monte tes deux bras. Grandis et étire. Pousse bien dans ta hanche droite, dans le talon droit et étire. Expire, tu ramènes. Je tire à l'arc. Inspire. Expire, puis monte le bras gauche. Inspire. Expire, on va basculer sur l'avant, la main gauche près de la cheville gauche. Monte le bras droit, serre dans le ventre et contracte dans le périnée. Regarde ta main droite, inspire largement. Voilà, expire, tourne le bout du nez vers le sol, ramène le bras droit, tourne le pied droit et tu remontes. Inspire, grandis et étire. Expire, descends tes bras.
sur la face, le face, le pardon, on revient de face. Inspire, monte tes bras. Expire, descends tes bras. Rotation ici de l'autre côté. Tiens, voilà le chat. J'inspire, je monte mes bras. Je ramène mes deux bras ensemble. Je tourne le pied gauche. Grandis et étire. Bonjour le chat. J'expire, je ramène mes deux mains sur le cœur. Oui. Et là, je vais tirer à l'arc. Hein, donc, bras gauche, inspire. Je suis la main gauche. Grandis et étire le bras droit. Expire, on vient basculer sur l'avant. Donc, je ramène la main droite sur la cheville droite ou au sol, en dedans ou à l'extérieur. Oui. Et là, je vais tourner mon buste vers le ciel. Je vais monter mon bras gauche de manière à ce que le bras gauche soit dans l'alignement du bras droit. J'inspire, je grandis. Si je peux, j'emmène le bras au-dessus de mon oreille. Étirez ici dans la taille. Sentez le bassin, la jambe, la hanche, le ventre. Puis on inspire, on remonte le bras gauche. On tourne face au sol. Fléchis ta jambe droite. Ramène ici sur l'avant. Monte tes deux bras. Grandis et étire. Expire, ramène les mains sur le cœur et tu fais une rotation gauche pour revenir de face. Inspire, monte tes bras, grandis et étire. Et expire, bascule sur l'avant. Relâche la tête, relâche le dos. On laisse faire le poids du corps. Et on revient ici. Fléchis tes jambes. Ici, déroule ton dos. Et tu ramènes. On va sauter et revenir. Ici, de la salle. Ressentez ici votre corps, votre stabilité, votre énergie, comment vous êtes, comment vous vous sentez. On va faire une jolie petite salutation au soleil, toute fluide, toute belle, toute douce. Prenez avec vous des briques et profitez justement de ce moment pour mettre en place votre respiration, belle, grande, douce respiration. Break, tapis, tout y est. Voilà. Donc je suis sur l'avant de mon tapis. Chacun a son rythme. Hein. C'est vraiment important cela. On va commencer, on va faire une première salutation en montant fort la respiration. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure pour votre souffle. OK? C'est parti. Sur l'avant de ton tapis. Tes deux mains sur le cœur, tu descends bien tes deux épaules. En inspirant, tu vas monter tes bras. Donc, grandis. Inspire. Voilà. En expirant, tu vas fléchir tes jambes et tu vas pencher ton buste sur le. Tu inspires, tu tends tes jambes. Là, tu rétroverses ton bassin. Tu montes la poitrine, le sternum et tu étires tes bras sur l'arrière. En expirant, tu vas ouvrir tes mains, tes bras. Tu tournes les mains vers le sol. Tu descends tes bras par les côtés. Et en même temps, tu penches ton buste sur l'avant pour aller emmener tes mains au sol. Au sol ou sur les briques. Au sol ou sur les briques. Ici, on serre dans le ventre, on contracte bien sûr dans le périnée et vous observez déjà tout ce qui se passe dans vos jambes. On monte bien les ischios vers le haut. On étire. Hein, vraiment. Ici, vous expirez. Puis vous allez inspirer en fléchissant vos jambes et vous redressez votre buste. Vous regardez devant vous. Là, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'allonger dans le dos, d'étirer dans le dos. En même temps, on serre dans le ventre et on creuse le ventre. On repousse ici le nombril vers la colonne. Souffle, tends tes jambes. Relâche ton ventre. Inspire, fléchis tes jambes. Redresse ton buste. Ici, on va aller emmener en soufflant le pied droit. Là, assez loin en arrière. Hein. Et là, tu poses dans le talon. Tu vas venir poser ton genou droit dans le sol.
Ici, on descend le bassin dans le sol, vraiment, et on va ramener les deux mains sur le genou gauche. Tu donnes l'intention vraiment de rétroverser le bassin. Et là, on va monter la poitrine, le sternum, et on va monter les deux bras au-dessus d'elle. Donc, tu étires, grandis. En expirant, on va ramener nos mains ici sur les briques ou au sol. Et on va ramener les genoux gauche à côté du genou droit. Les deux cuisses sont perpendiculaires au sol, là. Et vous allez ouvrir vos genoux de la largeur du tapis pour aller emmener les fessiers vers les talons. Tu peux garder les briques, les mains sur les briques et étirer pour éviter de poser les coudes au sol afin d'aller plus loin dans l'extension. Tu peux poser le front au sol si tu veux. Là, tu vas rouler sur le front, ici. Puis tu vas revenir, donc tu vas prendre appui ici avec tes deux mains sur le sol, cette fois sur le tapis, et tu vas revenir en quadrupédie. On ramène les mains sous les épaules et on ramène bien les deux genoux sous les hanches. Ici, vous serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Placez-vous bien sur les mains à plat. Donc les mains sont toutes les deux à plat. Les doigts sont écartés, les mains sont parallèles par les majeurs. Et ici, on va arrondir le bas du dos en repoussant le nombril vers la colonne. Tu regardes vers ton ventre. Tu souffles. En inspirant, tu vas creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et là, tu sens que tu étires dans tout ton ventre. À nouveau, en expirant, on arrondit. Nouvelle inspire, on creuse. Presque au bout du nez, on va faire ça encore sur une respiration. Donc j'expire. Pose bien sur les mains. Inspire. N'oublie pas de sourire. Et étire dans ton ventre. Et là, on va revenir le dos plat et on va emmener le bassin vers le sol. Donc, pour revenir ici, lorsque je sais que je vais descendre sur l'avant, je rétroverse mon bassin, j'arrondis hein, le bas du dos, et je descends les hanches vers les mains. Donc là, j'inspire, je laisse faire. Donc, je déplace un peu de corps à droite, à gauche pour voir ce qui se passe dans le bas du dos. Je reviens au centre, expire, puis inspire, pousse sur tes mains et remonte. Donc, tu souffles, tu remontes, emmène les fessiers sur les talons. Allonge, ici, tu étires. Nouvelle inspire, tu reviens. Expire, tu bascules sur l'avant. Inspire, tu poses sur tes mains, tu grandis et tu étires. Et tu remontes, ici. On va, ici, retourner les orteils dans le tapis. On retourne les orteils dans le tapis. On pose sur les mains et on va pousser ici sur les mains et sur les orteils pour monter dans le chien tête en bas. Donc là, je vais en profiter. Coucou le chat. Je vais en profiter pour poser les pieds dans le sol. Et étirez les ischions. Relâchez votre tête. Essayez de sentir bien tout ce qui se passe ici dans les jambes, dans le ventre, poussez l'expiration, montez bien les ischions vers le haut. Là, on va monter la jambe droite. On monte la jambe droite vers le ciel, on étire. Et là, comme tout à l'heure, on essaie de faire une grande diagonale, une belle grande diagonale ici. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Et là, on va ramener doucement le pied droit entre les mains. Donc, ici, pour faire ça, je monte ma hanche et je monte sur les orteils du pied gauche et je monte la hanche droite. Et là, je vais pouvoir passer le pied entre les mains, les jambes tendues. Alors, si on ne peut pas jambes tendues, bien sûr, on peut aussi fléchir la jambe et ramener le pied. Chacun son style. Et là, on pousse vraiment dans le talon à droite, dans le talon à gauche. Et comme je suis en appui ici sur mes mains, je vais
transformer, déplacer le poids de mon corps sur le pied droit, ici. Donc je pousse, tu vois, c'est un juste équilibre. Je pousse ici. En même temps, je regarde si le chat fait pas de bêtises. Et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ici, je fléchis mes jambes, je déroule mon dos et je remonte tranquillement. Là, tu vas monter. Pardon. Et on déroule le dos et on remonte. On monte les deux bras loin au-dessus de la tête. On grandit. Et en expirant, on va ramener nos deux mains sur le cœur. Relâchez ici vos bras. Voilà. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand vous avez terminé votre salutation, de prendre un instant et de sentir comment c'est dans votre corps. Voilà. Donc vous avez un spectateur. Il travaille bien, hein? Ouais. Vous travaillez bien, il me dit. On peut continuer? Oui, on peut continuer. On y va. Donc les deux mains sur le cœur. Ici, la même chose avec le côté gauche. Donc tu es sur l'avant de ton tapis. En inspirant, tu montes tes deux bras loin dessus de la tête. En expirant, tu fléchis tes jambes. Inspire, tu rétroverses ton bassin et tu étires. En expirant, tu bascules complètement sur l'avant. Tu relâches la tête. Tu relâches ta tête. Puis doucement, en inspirant, tu redresses ton dos. En expirant, tu relâches. Et là, tu vas emmener ton pied gauche en arrière. Le genou gauche vient dans le sol, ici. Et là, je vais monter mes deux bras loin au-dessus de ma tête. Là, tu grandis et tu étires. T'as fini. Tu grandis. Et tu étires. Mais en expirant, tu ramènes les mains près du pied droit. Et tu vas venir relever ton genou droit à côté du genou gauche. Je place bien mes deux mains sous mes épaules. J'expire, je rétroverse mon bassin, j'arrondis mon dos, menton dans la gorge. En inspirant, je creuse le dos, je redresse le bout du nez et j'étire dans mon ventre. J'expire à nouveau, j'arrondis mon dos. Je vais venir déplacer mon buste sur l'avant, je rétroverse bien le bas du dos, j'inspire en montant le bout du nez. En expirant, je reviens. Ici, je vais placer mes orteils en appui dans le tapis. J'appuie bien sur mes deux mains et tranquillement. En expirant, je vais monter ici. Menton dans la gorge. Et étire dans les jambiers. Menton dans la gorge. Pousse sur tes mains. Et là, doucement, en prenant appui sur le pied droit, on va monter la jambe gauche vers le ciel. Qu'est-ce que tu fais, coquin? Ça va pas. La jambe gauche vers le ciel. Inspire, grandis et étire. Et ici, en expirant, je monte sur les orteils du pied droit. Non! Chut! Non! Excusez-moi! Ça va pas bien, toi. Donc, je monte sur les orteils du pied droit, ici. Mais non! La jambe. Et doucement, je ramène le pied gauche entre nous. Donc là, ici, j'ai mes deux hanches qui sont toutes les deux de face, tu vois. Et je vais transporter le poids du corps sur ma jambe gauche. Donc, je pousse sur mon talon gauche. Là, poids du corps. Et je vais ramener le pied droit à côté des pieds gauche. Fléchis tes jambes, déroule ton dos et on va remonter. Inspire, grandis et étire. Et en expirant, tu ramènes tes deux mains sur le cœur. Tu relâches tes deux bras et tu ressens ici hein, ce qui se passe dans tout ton corps.
Alors, après cette salutation au soleil, je vous propose de passer à nouveau au sol et on va faire un petit travail de nettoyage viscéral. Je suis au sol. Assise. Je prends le temps de m'installer tranquillement. Je vais ici venir ramener le talon de mon pied droit sous ma fesse gauche. Ici. Ma jambe gauche, elle est devant, le pied gauche est devant le genou droit. Tu vas prendre appui ici avec tes mains de chaque côté de ton bassin pour soulever les fessiers et pour te placer sur l'ischion droit le plus possible. Et on va venir essayer de descendre l'ischion gauche dans le sol. Donc, ça peut demander un certain temps. On essaye de bien descendre la fesse gauche dans le sol. Donc la fesse gauche n'est pas sur le talon. Ça se touche, mais ce n'est pas dessus. D'accord? Et là, on va essayer de redresser notre dos. Donc votre pied gauche, il est devant le genou droit pour le moment. Et vous essayez de ressentir votre stabilité. Voilà, vous avez les deux fessiers au sol, on est d'accord? Bon, qu'est-ce que t'es autre? Et puis tout doucement, on va emmener notre pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Donc là, vous marchez, enfin, vous roulez sur une fesse et puis sur l'autre fesse. On essaye d'aller poser la fesse gauche au sol, d'accord? Pareil, vous pouvez vous soulever pour bien placer l'ischion droit au sol. Vous laissez descendre la fesse gauche dans le sol. Si jamais la fesse gauche ne touche pas le sol, en dehors du fait que vous laissez descendre volontairement votre fesse, vous pouvez mettre un support sous la fesse droite. Bon, ça, c'est un peu épais, hein, mais on peut prendre un petit coussin, un petit pad, ou même un foulard que l'on enroule et que l'on place plutôt sous la fesse droite pour descendre la fesse gauche. Il faut en fait que vous visualisiez que les deux hanches restent toutes les deux sur la même assiette. Le genou devant, on va essayer de le rapprocher. Alors, tout dépend de notre flexibilité, de notre souplesse au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau des genoux, des chevilles. Donc, on va basculer d'avant en arrière, comme ça. Ah, une chose importante, si vous avez trop mal dans le genou droit, vous pouvez bien sûr garder la jambe droite devant vous, tendue. C'est à envisager si jamais vous ne pouvez pas fléchir votre genou droit. Sinon, le talon colle les fessiers. Là, vous inspirez, on essaye doucement de rapprocher le genou gauche. Donc, on va essayer de libérer ici, dans un premier temps, le genou gauche. Donc j'ai une main sur la cheville droite, ma main droite, pardon, sur la cheville gauche, ma main droite sur la cheville gauche et la main gauche sur le genou gauche. Et là, je laisse se créer dans le pli de l'aine un espace qui va me permettre d'emmener le genou un peu plus vers moi ou pas, selon ma morphologie, mes traumas. Mon histoire perso, c'est jamais pareil et pour chacun de nous, c'est différent. Donc là, on ressent l'espace où on ressent. Et puis, on va venir attraper tranquillement avec le coude droit le genou gauche. Encore une fois, je m'autorise à bouger mon corps pour trouver le meilleur angle, la meilleure posture qui va me permettre de pratiquer sans aucune douleur, sans aucune souffrance. Tu dois pratiquer sans aucune souffrance. Bien sûr, tu sens l'étirement, bien sûr, tu sens ce qui se passe, mais ça ne doit pas créer de douleur. Tu vois? Donc là, j'attrape mon genou avec le coude. Donc je me tourne ici. Les deux fessiers sont dans le sol. Et je viens placer ma main gauche en arrière. Et
mon bras gauche. Et je vais me servir de mon bras comme d'un tuteur pour essayer de garder mon dos le plus droit possible. Mon pied gauche, lui, il est à plat dans le sol. Et je peux placer mon coude droit par devant mon genou gauche. Ça peut m'aider ici, avec cet appui-là. Ça peut m'aider pour tourner davantage mon buste en descendant bien mes deux épaules. Et je tourne le bout du nez vers l'arrière en regardant dans le coin externe de mon œil gauche. Je peux aussi placer ma main sur une vrille. Là, ça me permet de fléchir mon bras et d'avoir l'épaule bien détendue. Et là, je peux tourner aussi. Il y a toujours différentes possibilités dans cette posture. En tout cas, ici, on essaye de bien serrer dans le ventre, bien contracter dans les poignets, de ressentir notre posture et de faire de grandes et profondes respirations. On va doucement revenir, on va ramener le bras gauche, la main droite, la main gauche, et je vais essayer de redresser mon dos. Doucement, je vais arrondir mon dos, puis inspirer, redresser mon dos. Puis j'arrondis mon dos et je redresse. Et puis tout doucement, je vais venir décroiser mes jambes, allonger mes deux jambes, observer mes ressentis. Voilà. Et puis, bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, prenez vraiment un instant pour conscientiser ce que vous avez réalisé et puis ce qui s'est passé dans votre corps. Donc là, pareil, de l'autre côté, je vais emmener mon talon gauche vers la fesse droite. J'emmène pour le moment le pied droit devant. J'essaye bien de caler mes fessiers dans le sol. Je redresse mon dos, inspirez et ressentez comment c'est. Ensuite, je vais venir rapprocher le pied droit de ma fesse gauche en essayant de garder le pied au sol. C'est vraiment une étape importante ici. Donc, tu serres dans le ventre, tu contractes bien dans le périnée. Et ici, on va essayer de garder les deux fessiers au sol. Donc, n'hésitez pas à bouger ici pour bien mettre les ischios au sol, éventuellement une brique sur la fesse gauche. Si c'est nécessaire. Avec vos deux mains, vous saisissez votre genou et on essaye de laisser et de créer l'espace ici dans le pli de l'aine. Ressentez comment c'est. Voilà. Et puis tranquillement, tout doucement, on va vraiment sentir qu'on redresse le dos, mais depuis le bassin, depuis le coccyx, hein, coccyx, bassin. On redresse bien le dos et on va engager la torsion. Donc j'attrape avec mon coude gauche le genou droit pour tourner vers l'arrière à droite. Donc tu ressens tout de suite hein, ce qui se passe ici. Je suis là. On sent tout de suite hein, ce qui se passe à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, hein, il est bien évident que si vous ne pouvez pas fléchir votre jambe gauche, vous gardez votre jambe gauche devant. Vous voyez comme c'est le mieux pour vous. Pour chacun de nous, c'est différent. Et là, on observe ce qui se passe. Je vais placer mon coude, du coup, devant le genou, ou pas. Des fois, je ne peux pas. Donc, je peux aussi le laisser là. Je peux me servir de ma main droite et mon bras droit comme d'un tuteur pour redresser mon dos. Et là, je regarde en arrière. Je regarde dans le coin externe de mon œil droit. J'inspire largement. Serre dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Observe tout ce qui se passe. C'est phénoménal tout ce qui se passe en vrai, ici, dans cette posture. Inspire largement. Vous pouvez ressentir dans le ventre, dans l'estomac, dans le foie, les viscères, les intestins. La respiration aussi dans la cage thoracique et dans la poitrine. Vous serrez bien dans le ventre, contractez bien dans le périnée. Observez tout ça. Et puis tranquillement, on va revenir. Donc tu reviens délicatement
Parce que là, tu as fait comme un ressort avec ta colonne vertébrale. Donc, tu reviens le bas du dos, le milieu du dos, le bout du dos, ou les épaules, la tête. Et là, on va s'autoriser à arrondir notre dos. Voilà. En inspirant, on va redresser le dos et ressentir, on va dénouer nos jambes. On va relâcher nos deux jambes ici et placer nos deux jambes ici sur l'avant. On va pousser dans les talons, on va tirer les orteils vers nous et on va faire une dernière posture ce matin. Ah, on redresse bien notre dos. Ressentez ici tout votre dos. On tire les orteils vers nous, on écarte les orteils, on pousse dans les talons. Et là, vous allez placer vos mains tout près du bassin. Et en inspirant, en fait, vous allez pousser sur vos mains en tendant les bras, en abaissant les épaules, comme si vous vouliez soulever les fessiers, sauf que vous ne soulevez pas les fessiers pour libérer dans votre dos. Vous inspirez. Et en expirant, vous reposez délicatement. En fait, les fessiers ne se décollent pas, mais on pousse de manière à étirer toute la colonne vertébrale. D'accord? Ah, on va faire ça encore deux fois. Inspire. Et expire, tu relâches. Et puis une dernière fois, inspire. Et à l'expire, tu relâches. On va maintenant rapprocher nos deux pieds. Soit on va croiser nos jambes, soit on va allonger nos jambes. Tu fais comme c'est le mieux pour toi, vraiment. Et moi, je croise mes jambes, une cheville devant l'autre cheville. Et j'essaie de basculer vraiment le poids du corps sur l'avant, tranquillement. J'observe ce qui se passe dans mon bassin, dans mes hanches, et je vais doucement descendre sur l'avant. L'idée, ce n'est pas d'aller coucher le buste sur l'avant, c'est vraiment de mobiliser les hanches, le bas du dos, le bassin, et de vraiment de libérer. Et je vais aller emmener mon coude gauche sur l'avant et placer ma main droite sur l'arrière. Donc là, j'inspire. Bien sûr, j'étire ma respiration. Donc, si j'ai les jambes allongées, c'est exactement la même chose, hein, sauf ici. Peut-être c'est plus facile. Tout dépend. Si jamais on a les jambes croisées, on décroisera puis on croisera de l'autre côté. Donc, pour le moment, on est là. Inspirez largement et ressentez bien ce qui se passe là dans votre dos. Inspirez. Vous pouvez. Si vous le désirez, si vous en avez la possibilité, descendre pour relâcher davantage. Voyez ce qu'il est possible de faire pour vous en allant tout doucement. Vous pouvez également poser votre tête sur une brique. Et là, vous laissez faire. Vous relâchez et vous laissez. On va prendre appui avec votre nez, on va remonter. Donc, c'est ici, si jamais vous avez les jambes croisées, que vous décroisez pour croiser de l'autre côté. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, soit les jambes allongées, hein, dans ce cas-là, vous ne bougez pas. Et on va descendre sur l'avant. Je laisse poser mon coude droit dans le sol. Allez-y progressivement si vous sentez qu'il y a des fragilités. Et on laisse doucement emmener la tête vers le sol ou sur une brique comme je suis en train de le faire. Relâchez. Donc, je peux faire glisser en main droite, mon coude droit, plus loin. Je respire largement dans cette posture. J'essaie vraiment de relâcher et de laisser faire. Au moins 5 grandes respirations.
Puis tranquillement, on va revenir. Donc, on va délicatement ramener le bras, la tête. Puis, on va presser sur les mains pour dérouler le dos. Tranquillement. Et quand on revient de ces postures-là, qui sont un peu dérangeantes, hein, au niveau de tout l'organisme, on va ramener nos deux genoux ensemble. On va allonger nos jambes un peu. Et puis on va croiser les poignets comme ça et relâcher la tête comme ça. Et si vous avez à vous donner l'autorisation d'arrondir le bas du dos, de relâcher vos épaules vraiment, de poser votre tête sur vos poignets. Donc si vous ne pouvez pas vous mettre une brique ici et poser la tête ici sur la brique, de manière à bien relâcher votre dos depuis le bassin. C'est arrondi, hein, le bas du dos est arrondi, ainsi que le milieu du dos. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés. Et vous vous autorisez ici à respirer dans votre dos tranquillement. Donc vous prenez le temps de bien respirer dans votre dos tranquillement. Et doucement, on va remonter, on va redresser doucement le dos, vraiment. Là, c'est vraiment conscience, hein, du dos, conscience de la respiration. Et puis, on va placer une brique sous nos fessiers, comme on a fait en début de cours. Vous placerez vos jambes, comme c'est le mieux pour vous. Vous relâchez dans les hanches, dans le bas du dos. Vous observez. Profitez de ce moment justement pour vous mettre dans une position juste pour vous. Relâchez vos mains, relâchez vos bras et grande et profonde respiration comme on a fait tout à l'heure. On laisse entrer cet oxygène qui va nous réparer, nous nourrir. Vous pouvez garder vos yeux ouverts ou bien les garder fermés. Des profondes respirations. Et doucement, on va se préparer à sortir de cette posture en ouvrant les yeux, peut-être. En bougeant les yeux vers la droite ou vers la gauche. En étirant le menton vers le haut. Puis ramener l'oreille vers l'épaule, l'autre oreille vers l'autre épaule et revenir au centre. Merci infiniment. Namasté. Je vous dis à tout de suite à l'écran ou à très bientôt sur les vidéos.